contrairement à Raïté qui depuis le début du tournoi a gagné tous ses matchs 6-2, 6-0, 6-3, 6-2, 6-1, 6-1, et qui finalement lui n'a pas du tout été touché, qui conserve certainement toutes ses qualités physiques faire au maximum pour attaquer une partie très dure en 5-7 aujourd'hui. De 2-7-1. Ce point était très important et la balle était facile pour Lendl. C'est un point qu'on peut, dont on peut se souvenir. Oh là là, que c'est beau. C'est fantastique. Fantastique. Ah, c'est bien de faire. Vient prendre la balle montante, pratiquement demi-volée. C'est faire une simplicité. Décroisé. Lendl est sur place. Dans un moment comme ça, très important, 30 partout, ça remet la partie en jeu. Lendl est peut-être tout le travail qu'a fait Raïté depuis le début de partie, de revenir, de couvrir, de ramener des balles et d'obliger Lendl à forcer sur cette volée parce qu'il a peur que Raïté soit là. Oui, bien joué. Oh, 5-5. Et un match qui, une nouvelle fois, rebondit. Sûrement un petit faux rebond.
Alors, est-ce que le doute va rester longtemps dans la tête de Lundell? Est-ce que la confiance est revenue dans le bras de Raïté? C'est un jeu très important que celui que nous allons suivre. Attention à la deuxième balle. Bien rétabli. Attention, coup droit. Bim. Bien joué. Il faut absolument que Raïté mette sa poutre balle en jeu. Sinon, il est de suite en danger. Alors que chacun manifeste, on a pu le voir, son mécontentement à sa manière. Lendl en tapant dans les balles tout à l'heure. Et Raïté, lui, en se tapant le front contre sa raquette. Martin Raïté donc qui une fois encore laisse son service à Ivan Lendl et ne profite pas de l'opportunité qui lui était offerte de vriller encore un petit peu plus le doute dans la tête de son adversaire qui avait laissé passer l'occasion de conclure cette troisième manche alors qu'il servait pour 5 jeux à 4 et donc pour le gain du troisième set. Eh bien, Lendl a rétabli donc l'équilibre tel qu'il était tout à l'heure. Il va servir de nouveau pour le gain de la manche, en se rappelant des erreurs commises précédemment et en essayant de conclure de la manière la plus efficace, car il semble que Raïté soit physiquement un petit peu émoussé maintenant. Assez mal placé, on a senti déséquilibré dans son geste, trop près de la balle. Et quel formidable jeu de jambes ce garçon. Je disais tout à l'heure que c'est un grand défenseur, mais un grand défenseur aussi en contre-attaque. C'est-à-dire que si l'attaque n'est pas parfaite, même en défense du contre-attaque, un merveilleux jeu de jambes. Si ça, Kevin Lendl qui pour la deuxième fois maintenant sert pour le 7. C'est la différence là, et ça c'est net dans tous les jeux, ils sont a tendance à gagner un ou deux points directement sur sa première balle. C'est quand même facile de partir à 30-0 dans...
Oliva. Trois balles de 7, trois balles pour conclure. La troisième manche. On sent quand même les deux joueurs patrons. Frappe tout. Première, deuxième balle. Il a frappé sa deuxième balle tout à l'heure presque aussi fort que sa première. Steven Lendl, son précédent engagement à 5-4, où là encore il avait eu 3 balles pour conclure, avant de perdre son engagement. Mais prend des risques sur le deuxième. Le doute n'est pas encore complètement revenu dans sa tête. Et cette fois je crois qu'il va y être. Et que vraiment, décidément, cette rencontre nous ménage des retournements de situation, des rebondissements tout à fait imprévisibles. Tant mieux en tout cas pour le spectacle. La balle est out, la balle de l'endo. Oui. La balle est out. Et la balle de Raïté, il semble bien qu'elle soit out. Effectivement, d'ailleurs, Lendl va protester. I thought I saw the ball skip off the back. Une erreur de sa part. C'est ça qui est étonnant. Il a joué la balle et après il vient respecter après la marque. Il a pas réagi immédiatement. C'est bon. Je comprends. Hein. Il a tout de suite marqué la trace et bon, je pense qu'il est honnête. Il est étonnant que toute cette semaine les juges de ligne se soient déplacés, les juges de chaise des fois même. Et que là on n'ait pas donné cet avantage à Lendl de se déplacer, voir la marque qu'il avait parfaitement circonscrite de long de la ligne. Et sans doute à l'extérieur. Voilà,
il a eu un petit regard, Landel, en portant sa main sur le cœur vers le juge de ligne qui avait ignoré tout à l'heure la balle faute, incontestablement délivrée par Raïté. L'égalité est rétablie. Quelle organisation! Avantage, Raïté. Le cours est ouvert, là. Croyez-moi, le coup droit de Landel est quelque chose de très puissant. C'est magnifique. En plus, ça semble tellement facile. Tactique entre les deux hommes, on se neutralise et tout d'un coup on tente quelque chose et on voit si l'autre répond. Et là encore un formidable échange, quand même son approche quand même assez profonde. Il y a le coup droit de Landel qui est vraiment son coup fort. Et pour la deuxième fois, Raïté est allé à terre. C'est toujours difficile après un long rallye comme ça qui dure de tirer un passé. C'est un beau combat. Hein. Quel point important. Balle de 6 partout. Égalité. Quatrième balle de 7. Vous oubliez celle délivrée à 5-4. Eh bien, une troisième manche dont on pourra dire que Landel l'aura transpiré. Mon cher Pierre, c'est au terme de 7 ou 8 balles de 7, je n'ai pas tenu la comptabilité exacte, que Ivan Landel est parvenu à remporter la troisième manche. Il mène donc 2-1. Au terme d'une rencontre qui dure maintenant depuis plus de 3 heures, 3 heures et 7 minutes. Et qui n'aura pas ménagé les rebondissements, l'intensité de cette rencontre à laquelle, c'est dommage, il ne manque qu'un tie-break, que l'intensité dramatique d'un tie-break pour que le scénario soit complet. On est passé très près. Prenez place, s'il vous plaît. Peut-être dans la quatrième manche, si Martin Raïté n'est pas trop éprouvé, pas trop affecté par tous les efforts faits depuis 3 heures, donc. En tout cas, Ivan Landel n'est plus très très frais non plus. Même si sa contribution physique est un peu moindre que celle de l'Argentin. Balle 9. Ils n'ont pas eu l'occasion tous les jours depuis le début de la semaine de jouer plus de 3 heures de suite. Et ce n'est pas fini.
Est-ce que cette balle voudrait dire que Raikkonen a envie de monter beaucoup plus encore parce que... Oui. Plus le match avance, plus on décide de tirer des passing shots parce que le passing shot, je vous disais tout à l'heure, ça demande plus d'énergie, plus de rapidité. Et en fin de partie, dans un match très dur, très long, c'est souvent à la volée que ça se gagne. Alors qu'il faut avoir assez de ressources pour monter jusqu'au filet et vite. De Landel qui exprime bien tout l'étonnement qu'il a à chaque fois, tellement amusé de voir Raité après 3h10 de jeu au bout de toutes les trajectoires et les plus extravagantes. Et Landel essaye de jouer la droite, là, de jouer directement au-dessous du filet, c'est-à-dire à la hauteur du sol, il peut jouer directement et la balle serait bonne. En tout cas, un quatrième set qui commence bien. Nous nous retrouvons dans une petite minute après avoir tourné une page de publicité. C'était un petit peu raté. Ça permet à Ivan Landel de mener 30 à rien. Les hommes savent que ça se joue un peu au physique là. Si on peut essayer de fatiguer un peu. Un jeu au terme duquel on s'aventurerait bien à pronostiquer le fait que Landel pourrait être physiquement le plus apte maintenant à s'imposer dans cette rencontre, mais on a vu que tout pronostic était aventureux jusqu'ici et on se gardera bien d'en faire. Regardez comment Landel se décale là, sur la deuxième balle. Et c'était bien servi de la part de Wright. On va chercher le coup dur à chaque fois sur la deuxième balle de Raité. Là, c'était bien.
30-15. Landon, on l'a vu sur ce plan large, il cherche à ouvrir le plus possible son coup droit sur la deuxième balle qui est à l'intérieur du cours. Et là, il a bénéficié un petit peu de la complicité du filet pour marquer ce point. Bon. Troisième point consécutif perdu par Martin Raité, gagné par Ivan Lendl, c'est selon. Un peu perdu celui-là. Oh! Pour Raité de mener deux jeux à un. On sent la fatigue, hein. On sent la fatigue chez les deux joueurs. Il y a un terre. On peut s'en solliciter là pour demander un petit peu de contre dans ce cas présent et dans le cas précédent aussi. Dans les deux derniers points qui ont été ratés. C'est pour ça que la partie peut aussi basculer maintenant, parce que un joueur peut, si il va jouer le plus juste, disons,
show. Trois heures et 20 minutes que nous jouons. Constater, Pierre, que cette fois c'est Marcel Reifé qui a pris les risques pour conclure, pour écouter l'échange et pour essayer de conclure avantageusement son engagement, ce qu'il a réussi à faire. Mais c'est vrai, en demandant beaucoup, en prenant des risques. Non, mais par trois fois, dans les trois derniers points, il est venu sur le revers de Lendl qui a mal réagi, qui n'a pas su réagir. Ça veut dire qu'il va certainement continuer, et de manière, c'est une forme de confiance et une forme de doute pour Lendl. La partie n'est pas finie. Il a changé de physionomie. Hein, à la fois ça s'accélère, à la fois c'est... Donc plus court, les points sont plus courts, les points sont joués différemment. Les services sont moins percutants, disons. Moins déterminants. Prenez place, s'il vous plaît, rapidement, s'il vous plaît. Seize quickly, please. Faites silence, s'il vous plaît. C'est là où la nourriture est très importante, que le joueur soit bien nourri, que éventuellement qu'il mange pendant le match un petit peu pour pouvoir garder le plus d'énergie le plus longtemps possible. C'est là aussi où il est important de servir après la minute de repos, ce qui est le cas de Ivan Lendl, qui aura une minute pour refaire le plein de tenus. Monsieur Reifé aurait mis cette balle, il en a remis une quinzaine parfaitement, très longue, très profonde, très haute, et avait neutralisé Lendl. Là, il manque un petit peu de punch, de vitesse. Enfin, on voit du très beau tennis, hein. Ça ne change rien, c'est s'équilibre, disons. Voilà, trois bonnes premières balles de Lendl qui à chaque fois lui ont permis de prendre l'ascendant dans l'échange ou de marquer le point immédiatement sur un retour fautif de l'adversaire, 40-0. Et trois balles pour revenir à deux jeux partout. Qui était parti de loin en ce qui concerne Lendl, mais Reifé avait trouvé les ressources physiques pour être présent au rendez-vous. Et Lendl, à son tour convoqué, eh bien, n'est pas en retard non plus, et c'est lui qui marque le point. Il revient deux jeux partout, service Martin Reifé. Magnifique.
Kanté qui était monté sur sa deuxième balle, ce qui était courageux. Mais dans cet échange, il n'a jamais eu le dessus, pratiquement. Il est mené 0-30. Et là encore sur le revers de Wendell. 15-30. Donc chaque fois qu'il a accéléré, là, quand il accélère vraiment sur le revers, il suit. Wendell a du mal. Dès qu'il va pouvoir, il va en revoir cette situation. Précipitation. Et finalement, c'est Yvan Lendl qui remporte donc pour la première fois dans cette quatrième manche le service de Raïté. Il mène 3-2, son service à suivre. Et psychologiquement, c'est très important d'avoir pris le meilleur sur son adversaire. À condition, bien sûr, à condition de confirmer maintenant sur son propre engagement ce qu'il semble capable de faire, n'ayant guère eu trop de difficultés au cours des précédents engagements pour gagner son service. Il est vrai que jusqu'à maintenant, Martin Raïté a pris un malin plaisir à faire échec aux situations qui me paraissaient les plus claires et les plus établies. Time. Il semble cependant que le facteur physique soit maintenant déterminant et empêche les rebondissements qui ont fait le sel de cette partie lors notamment des deux, voire des trois premières manches. Même si Lendl est touché, on peut être touché. On n'a pas vu jusqu'à maintenant au niveau du service, il est toujours quand même très présent. Et c'est ça qui fait un peu la différence. Il a quand même une balle qui est toujours très lourde. Son jeu est assis et on ne sent pas du tout déstabilisé. Ce qui était intéressant de voir, c'est comment Martin Raïté allait prendre pour faire échec au service de Yvan Lendl. Il semble que c'est la voie du filet qu'il ait choisi de prendre, ce qui n'est pas la plus mauvaise. Elle lui a plutôt réussi jusqu'à maintenant. Lendl se découvre, ouvre le jeu, vraiment ouvre son jeu. Rarement il donne l'opportunité à Raïté d'accélérer. C'est vraiment très très beau pour lui. From 10, 30, 15.
from top, 30 all. Il n'est pas complètement décroché, il a été fatigué, mais pas battu. Pas abattu en tout cas. Il essaye, il prend des risques. Trois fautes directes en tout droit au cours de ce jeu. Pour Martin Reiter, c'est beaucoup pour prétendre reprendre le service de Evan Lendl et surtout le faire douter. Lendl maintenant mène 4 jeux à 2 dans la manche qui pourrait être décisive, la quatrième. Belle accélération, mais très bien neutralisée par Lendl, un petit chip coupé court. Qu'il ait mis énormément à contribution sur le service de Lendl et que devant servir après. Qu'il a mis dans ses 3 premiers sets. Et maintenant, il faut rater ses accélérations. Et c'est les gens qui sont sur la passerelle là-haut et qui bougent. Il dit que s'ils n'arrêtent pas, il va aller les sortir lui-même. Si on ne les arrête pas. Gros sursaut.
bien joué ça. Voilà, 4 points d'affilée au crédit de Haïti qui revient à 4-3. Qui a toujours un service de retard sur son adversaire. Et s'il semble bien que Lendl tient sa proie, eh bien on n'en est pas encore tout à fait sûr, tant Raïté semble capable de saines réactions au filet notamment, et dans l'accélération de son coup droit. On l'a vu venir gagner 2 points de suite à la volée. Oui, Lendl doit pas être très content. Je crois qu'il a mené 30-0 dans ce jeu. Il s'est échappé et a redonné la chance à Raïté qui de suite a un peu requinqué, accéléré son service. Le moral est tellement important à ce jeu. Ceci dit, c'est un garçon intelligent et il l'a prouvé depuis le début de ce tournoi. Et c'est toute la variété, pouvoir changer, accélérer, ralentir, exploiter tous les moments qui sont positifs. Tellement de variations dans un match de tennis. C'est long, s'il vous plaît. Monsieur Lendl va pouvoir conserver son service. Si cet S devait constituer un début de réponse, ce serait oui. Mais ça, ça prouve qu'il nous reste beaucoup de force, beaucoup de... Il a d'abord beaucoup moins couru, beaucoup moins sollicité que Raïté dans ce match. Magnifique service. Oh, de la ligne. 30. Balle qui a pris une trajectoire trompeuse. Qui permet à Lendl de mener 30 à rien. Et au poids des balles, après 3h40 de jeu, on voit que Evan Lendl est un convalescent, si l'on peut dire, qui se porte bien. Lendl de mener 5-3 sans que Raïté cette fois ait pu venir porter la contestation. Prenez 5 jeux à 3, Martin Raïté au service. Oh!
Bien joué. Attention, la deuxième balle, sur le nœud point. Second serve. Quatre balles pour une double faute. 15-30. Sachant que M. Lendl est à l'affût de cette deuxième balle un peu livrée, qui est un peu le point faible. De match. Au pluriel, car il en aura deux. Ivan Lendl, deux chances de conclure. Son passing shot, il a joué au centre. Je pense qu'il aurait pu tirer à droite ou à gauche en accélération comme il sait le faire. Oui. Ivan Lendl, donc, il emporte en 4 manches devant Martin Raité. Après avoir perdu le premier set 7-5, il s'est imposé au cours des 3 suivants. 6-4, 7-5 et finalement 6-3. Ivan Lendl qui signe donc par une victoire son retour à la compétition. Après une absence de 6 semaines, au final du double messier du Volo Monte Carlo 90, Sergio Casa, Emilio Sanchez, Espagne, quand Henri Lecomte, France, et Ivan Lendl, Tchécoslovaquie. Voilà une journée bien remplie en tout cas pour Lendl, puisque au terme des 3h45 qu'il vient de livrer à son adversaire en finale du simple, eh bien le temps de prendre une douche, peut-être de changer de chemisette, et il devra revenir en compagnie de Henri Lecomte pour disputer la finale du double contre Sergio Casal et Emilio Sanchez, les duettistes espagnols. Tout près d'Ivan Lendl, tout près du vainqueur, Nelson Montfort, qui à chaud va recueillir les impressions d'Ivan Lendl, qui jusqu'à présent, tout au long de cette semaine, s'est prêté fort complaisamment et avec le sourire à toutes les sollicitations dont il a été l'objet, et de la part de la presse et de tous les médias réunis.